Nous revoici avec la charmante Violette Hummer de Velvet Assassin. He was here, in the bell tower. His final hour had run. Un petit jeu d'infiltration fort sympathique. Et voilà le boulot. Voilà. C'est pas beau ça? Battle protection was always welcome. Tiens, un petit gilet pare-balles. Alors ça, un gilet pare-balles, honnêtement, vous allez en récupérer un petit peu à partir de maintenant. Mais un petit peu, hein. C'est vraiment... c'est très rare. C'est très rare dans le jeu de récupérer... J'ai des pare-balles. Attendez voir. Je vérifie si j'ai pas. Ah. Voilà. Ah bah voilà. Voilà. Donc là, je commente une étoile en furtif. Et viens donc ici, connard! Maintenant que j'ai un fusil à pompe, viens donc vers moi, là! Viens donc vers moi, là! Vas-y! Wouah! Sans déconner! Mais le jeu, il est trop facile! Mais il est trop facile! Non, c'est vrai qu'il est trop facile ce jeu. Oh là là, mais attends, j'étais où là? J'étais où? Ah bah! Bravo! Voilà. I came closer.
He was here, in the bell tower. His final hour had run. Attendre qu'il fasse sa ronde, lui, quand même. Dépêche-toi, connard. Voilà. Protection was always welcome. Ah mais non, mais je m'en balance. Ah voilà. Impeccable. Voilà, ce coup-ci, les gars, pas de quartier, j'en ai ras le cul. Là, honnêtement, j'en ai ras le cul. Je fume le mec. Je le fume. Le premier que je vois, je lui tire une bastos. Ah, là, c'est bon, là. Infiltration ou pas, tu commences vraiment à me péter les couilles, toi. Boum ! Mais c'est bon les gars, vous me pétez les couilles maintenant. C'est tout, c'est comme ça. Voilà. Combien j'en ai buté des connards pareils là? Bon, je récupère des cartouches de fusil, ce qui est quand même déjà pas mal. Ah super, et putain j'ai le plein. Enfin presque. Hein. Ouais c'est bon là. On y va franco. Pas vrai ça, connard!
Tiens, tu l'as pas volé, fils de pute. Voilà. Après la mort du boucher, la paix était revenue à Paris, au moins pour une nuit. C'est pas beau ça? Hein? Quand même? Merde! Alors évidemment, là par contre, pour faire un sans déconner, pour faire un sans faute, alors peut-être qu'il y a des soldats que j'aurais pu avoir comme ça en silence avant de tuer le boucher. Mais le boucher, vu qu'il faut le fumer, je sais pas. Moi, je sais pas si c'est faisable d'avoir le boss, sans lui tirer une balle. Furtivement, je sais pas si c'est faisable de l'avoir. J'en sais rien. Voilà. Dans la mesure où l'évaluation te propose de faire un sans faute, après, je sais pas, hein, peut-être. Hein. Après tout, j'en sais rien. Voilà, bon allez, on a assez de temps pour faire la prochaine mission là. Enfin, prochaine mission. Une partie quoi. Ah, dans la mission précédente, je me suis mais chié dessus, mais pff, plein de fois. Mais de toute façon, je vous avais prévenu. Hein. Wellpaid sources reported that a submarine had recently tied up at Dock 11 in New Hamburg Harbour. But that was not all. Voilà. Désolé, mais je préfère zapper. Oh là 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 là. Ça, c'est l'une de mes tenues préférées, ça. Là, je vous avais dit, elle pouvait changer de coiffure dans certaines missions. Là, l'espèce de petit... je sais pas si on appelle ça un chignon, je pense. C'est joli comme tout. Je sais pas si vous avez connu le jeu Alice Retour au pays de la folie, qui pareil, graphiquement était pas à la hauteur d'une PS3 ni 360, mais par contre c'est le Alice, c'est artistiquement parlant, c'était mais waouh, c'était superbe, grandiose, et ils ont fait un personnage, son visage était superbe quoi. Comme elle d'ailleurs, c'est pareil. Des grands yeux. Je trouve que c'est rare de trouver. Moi pour moi, hein, c'est rare de trouver. Alors, peut-être des gens vont dire ouais, mais attends, il y a Tomb Raider. Ouais, c'est vrai qu'elle a. Lara Croft, elle a du charisme, quoi. Beaucoup plus d'ailleurs dans les derniers Tomb Raider. Mais je trouve que Violette. Elle a un charisme, je veux dire, vraiment, vraiment unique, quoi. C'est... Il n'y a quasiment pas d'autres personnages féminins dans le jeu vidéo qui lui ressemblent, qui ont son... Ah, mais sans déconner, c'est un truc de fou. Il faut que je vous montre quand même son visage de plus près, quoi. Quand même. Sérieux. Alors, attendez, c'est peut-être un peu près, mais... Enfin, quand même, quoi. Moi, je veux dire, moi, je vois souvent des... Si vous voulez, je trouve qu'elle est... Bon, elle est pas énormément ressemblante au niveau visage à la vraie Violette Summer. Voilà, c'est plus sa coupe de cheveux, tout ça, façon de s'habiller. Les traits de visage, pas trop. Mais elle ressemble quand même, malgré tout, pas mal au personnage historique dont elle s'incarne, mais voilà, sans déconner, pour une fille de jeu vidéo pouvant faire des phases d'action furtives, tout ça, je trouve que c'est un personnage charismatique avec son petit blouson en cuir bien serré, tout ça machin. Là par contre, ça je vais un petit peu loin, mais faut reconnaître que c'est très sexy. Et des fois ils vont un peu trop loin dans le jeu vidéo, faut le reconnaître. Mais bon, à l'œil, c'est très intéressant. Non mais c'est vrai, mais sans déconner, mais comment elle a fait durant la Seconde Guerre pour avoir un cuir comme ça de cette qualité? Enfin, je sais pas, mais... Bon, je sais que le blouson en cuir existait déjà, mais quand même, quoi. Bon, allez, c'est parti. Alors, par contre...
Voilà. Ah oui, ça y est. Je vais rentrer dans une baraque, je crois. Alors par contre... La 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 la. Là, quand même, faut reconnaître que c'est la classe. Les cons. Et vu la musique là. Espèce de salaud. Ah, j'ai plus de munitions maintenant. C'est malin, ça. C'est pas possible, des petits enfoirés comme ça. Oh bah oui. Putain, mais dites-moi qu'il y a des munitions quelque part. Bah non. Oh putain, y a que dalle, quoi. Puis j'ai plus de vie! Ah! Bah ouais, monsieur, j'ai plus de vie, moi! Ah oh là là! Vous y croyez, hein? Ah! Ça, par contre, c'est intéressant, ça. Un petit kit de secours. Oh, ça fait du bien, quand même. Ça c'est joli.
Voilà. Donc là, on pousse la caisse par rapport à l'échelle qui est contre le mur, parce que forcément, madame, elle peut pas lever les bras en l'air et puis. Ah non, faut pas non plus déconner, quoi. C'est pas possible, bien évidemment. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, mais t'y crois pas, hein. Ah là 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 là. Voilà, tiens. Locked. First, I had to find the right key. Oh, joli ça. Elle passe à travers de la porte. Oh, c'est génial. Pète tes couilles, hein. Une seconde, en fait, il avait rien à récupérer sur lui ici. Non. Ah putain, tu fais chier, connard. Putain, c'est pas vrai ça. Merde. Ah là là, c'est pas possible ça. Tiens, c'est quoi ça? Non, c'est rien. Bon. Ok. Bon, avant de descendre en bas, on s'arrête. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Par rapport. Il se peut que. Soit je continue là où j'en suis, ou alors je recommencerai depuis le dernier checkpoint. Voilà. Je vous le dis quand même au cas où.
Voilà. Allez, bonne journée ou bonne soirée à tous. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous retrouve sur oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. Et je vous remercie et je vous dis donc à bientôt.